Salut à tous, et oui, c'est déjà l'heure de Côté Comics. Alors, au sommaire du jour, Julien va ouvrir le bal avec l'actu les sorties de la semaine. Ensuite, on a rencontré Eric Powell à Strasbourg, qui va nous parler de Goon et de Chimichanga. Et enfin, moi, je vais vous présenter les différents Green Lantern de la Terre. Et on va commencer avec l'actu. Salut à tous, embarquant pour une nouvelle fournée d'actualités comics. On commence par du cinéma et on reparle de Ben Affleck en Batman dans la suite de Man of Steel qui n'a toujours pas de titre officiel. Le président de la Warner Bros. A dévoilé que l'on aura affaire à Batman avec déjà beaucoup d'expérience, qui sera donc sous le costume depuis de longues années. Il est décrit comme usé et fatigué, on sera donc loin de la version du Dark Knight de Christopher Nolan et peut-être plus proche de celle de Frank Miller dans le célèbre The Dark Knight Returns. Le tournage du film devrait commencer début 2014 pour une sortie en 2015. On passe au petit écran et à la série TV The Walking Dead qui va voir l'arrivée d'une petite sœur. La chaîne américaine AMC a annoncé le développement d'un spin-off qui devrait voir le jour à la rentrée 2015. Cette série sera centrée sur un tout nouveau groupe de survivants dans ce monde post-apocalyptique. Le créateur de la série, Robert Kirkman, en sera toujours producteur et se dit très excité de pouvoir se détacher du comic book et de créer de nouvelles histoires. On vous rappelle aussi que le pilote de la nouvelle série de l'univers Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. est diffusé mardi 24 septembre sur la chaîne ABC. Des news du côté des comics avec notamment Marvel qui lance une nouvelle initiative, All New Marvel Now. Après Marvel Now à l'automne 2012 qui reprenait tous les titres au numéro 1, c'est un peu une sorte de seconde vague que propose maintenant Marvel avec de nouvelles séries et des arcs spéciaux des séries en cours qui seront accessibles aux nouveaux lecteurs. Le lancement se fera le 24 décembre 2013 avec le numéro Avengers24.now qui débutera un arc spécial intitulé Rogue Planet. Et à partir de là jusqu'à avril 2014, on aura le droit à de nouvelles séries dont Inhumans de Matt Fraction et Joe Madureira et All New Invaders, une nouvelle version de la célèbre équipe des années 40 par James Robinson. On attend aussi des séries sur Black Widow et le Silver Surfer. Ça bouge aussi du côté d'ici avec de gros changements d'équipe créative pour le mois de décembre. Geoff Johns quitte la série Aquaman, qu'il avait relancée depuis le reboot, et sera remplacé par Jeff Parker, qui lui arrive directement de chez Marvel. L'excellent J.H. Williams III quitte le titre Batwoman, dont il était dessinateur et co-scénariste, notamment parce qu'il dessine actuellement le préquel à Sandman. Il est remplacé lui par Marc Andrieco. Et enfin, ce sont les deux auteurs plébiscités sur la série The Flash, Francis Manapul et Brian Buccellato, qui eux aussi quittent leur bébé, mais on devrait les revoir rapidement sur un autre projet d'ici, ils n'ont pas encore de remplaçant. On finit l'actu comics avec l'annonce du retour d'American Vampire. La série Vertigo de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque était en pause depuis février 2013 et reprendra finalement en mars 2014. Ce nouvel arc nous amènera cette fois dans la période Peace and Love des années 60. En France, le tome 4 sort le 25 octobre prochain. Passons maintenant aux dernières sorties comics de ce mois de septembre. Panini accueille en cette fin de mois les premières séries du nouvel éditeur américain Valiant Comics. On retrouve tout d'abord le héros déjà existant XO Manowar, qui est remis au goût du jour par Robert Venditti et Carrie Nord, et la série Harbinger, où les auteurs Joshua Dizard et Carrie Evans nous présentent un personnage au pouvoir psionique qui pourrait bien changer le monde. C'est du bon comic book et vous trouverez les tomes A de ces deux séries le 25 septembre. À Wolverine sans limite ni censure, vous en rêviez, Marvel l'a fait avec cette nouvelle série Wolverine Max. La gamme Max propose des histoires plus violentes et moins édulcorées que les publications régulières de Marvel et a notamment été rendue célèbre par le Punisher de Garth Ennis. C'est le trio Jason Starr, Roland Boschi et Félix Ruiz qui nous propose ce Wolverine qui se retrouve amnésique dans les rues de Tokyo après un crash d'avion. Ce titre est sorti le 11 septembre. Le label Comics Fabric de Delcourt fait le plein en ce mois de septembre avec pas moins de 3 nouveaux titres de ses comics à la française. On a ainsi droit au tome 2 de la série Badass de Eric Hanna et Bruno Bessadi, dont on vous a déjà parlé longuement dans les épisodes précédents. Le deuxième tome aussi pour la série Nightfall de Fred Foreman et l'arrivée d'une nouvelle série Superworld par les auteurs Jean-Marc Rivière et Francesca Follini. Cette série nous plonge dans un monde post-apocalyptique, futuriste, peuplé de post-humains, des individus dotés de super-pouvoirs mais enfermés dans des ghettos par le gouvernement pour justement qu'ils n'utilisent pas leurs pouvoirs. Ces trois tomes sont sortis depuis le 18 septembre. On notera aussi la sortie du tome 3 de la série Angel et Faith, sûrement le meilleur jusque-là, puisqu'il ramène d'anciens personnages et prend place dans un lieu très connu des fans de la série TV Angel. Ou encore la réédition par l'éditeur Rackham des deux premiers volumes cultes de la série Sin City de Frank Miller, à savoir The Hard Goodbye et J'ai tué pour elle. C'est tout pour l'actu et les sorties comics, je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, faites le plat de comics et de vitamines parce que l'hiver débarque.
Le Festival européen du film fantastique de Strasbourg accueillait cette année l'auteur américain Eric Powell pour une conférence dirigée par Delcourt et une exposition de planches originales. Powell est surtout reconnu pour sa série déjantée The Goon, maintes fois récompensée, mais aussi pour Chimichanga, magnifique petite œuvre sortie récemment en France. L'occasion pour nous de discuter avec lui de son projet de film adapté The Goon et d'en savoir un peu plus sur ses sources d'inspiration. I draw inspiration from a lot of different things, comic books and movies and music, and I get bored very easily with one type of thing. That's kind of one of the reasons that I came up with The Goon, was because I wanted to do a book where I could do almost anything I wanted to do. If I want to do something that's funny, I can do something that's funny. If I want to do something that's a little bit more serious or tragic, I can do that. I try to keep myself entertained, and by doing that, I entertain the reader at the same time. So. Divertir les lecteurs, mais pas seulement. Les travaux d'Eric Powell peuvent aussi plaire aux plus jeunes, et ses deux fils ont souvent été ses premiers fans, voire une vraie source de motivation pour l'auteur. They gave me a lot of inspiration when they were younger. They were always coming up with something weird or funny. With Chimichanga in particular, they definitely influenced it. They, I'm not sure the book would have come out had they not been so excited about it. I showed them some drawings and gave them kind of an idea, and they really loved it and kept asking me what I was going to do with it. So I thought if they like it, I should definitely try to make this into a book. Actually, I'm writing a sequel right now. Yes, there will be another story coming. Trying to get it finished as quickly as possible, but I'm happy that the first volume has been received well, and that makes it able to do another series. So hopefully, it will be more than two as well. Norton, give me a drink. Warm pie here is buying. Mais si Eric Powell était présent à ce festival du film fantastique, c'était avant tout pour présenter son projet d'adaptation de The Goon en long métrage. Un projet difficile à mettre en place, comme il nous l'explique. David Fincher and Blur Animation optioned the comic about 5 years ago, and I wrote a screenplay, and Blur did some amazing test animation and a proof of concept trailer that we showed off at San Diego Comic-Con a couple of years ago now, and it was really well received, and the fans have been asking, you know, what's going on. But since we shopped it around to all the studios, they all showed a little bit of interest and thought the footage looked amazing, but they were a little afraid of it being an animated film that's not marketed to children. So they're a little hesitant. So we've been running into that difficulty. And it wasn't really realistic to do a Kickstarter to fund the movie, because we're not gonna raise $35 million or whatever the budget is now over a Kickstarter. But one of the guys at Blur had the great idea, well, let's kickstart something we can fund. Let's do a story reel for the whole film. An animatic, you know, made from the storyboards, and do a temp track to it and everything. We launched the Kickstarter. It was a huge success. We raised almost $500,000. And that's what Blur is working on right now. They hope to have the completed animatic done by November, I think, or in November. And hopefully when we show that off, it'll help us get the thing made, so. Alors moi aujourd'hui j'ai parlé DC, j'ai présenté les Green Lanterns qui défendent la Terre. Pourquoi? Alors déjà parce qu'il y en a quelques-uns et qu'ils agissent tous encore actuellement. Il y a donc la possibilité de les confondre, mais surtout parce que dernièrement DC a créé un heureux événement,
Et ouais, il y a encore un Green Lantern en plus qui agit dans le secteur 2814 et donc qui défend la Terre. Accessoirement, on en est aussi en plein Brius Day, quoi. Alors, les Green Lanterns de la Terre. Le premier est Alan Scott, qui est apparu lors du Golden Age des comics. Bon, ça remonte à 1940, je pense pas que quelqu'un ait eu l'occasion de le voir agir à cette époque. Mais par contre, ce n'est pas pour ça que vous ne le connaissez pas, puisqu'il est aussi un membre fondateur et incontournable de la JSA ou encore Justice Society of America. L'un des groupes le plus connus d'ici après la Justice League. Donc, si vous lisez un peu d'ici, il y a des chances que vous l'ayez vu quand même. A noter qu'en 2012, le personnage a fait un peu plus parler de lui que d'habitude lorsque DC a annoncé qu'il était gay. Pour plus de détails, je vous laisse lire Earth 2. Le deuxième Green Lantern est celui de l'âge d'argent puisqu'il a été créé en 1959. Il est le plus connu de tous, celui qui aurait été au cœur de pas mal de changements dans l'univers de DC. Il s'agit bien sûr d'Al Jordan. Green Lantern numéro 2814, il a été choisi par Abin Sur pour être son successeur. C'est un personnage qui a fait énormément de bien, mais aussi beaucoup de mal. Le cas le plus flagrant, c'est après la mort de Superman et la destruction de Co-City, comme ça. Il détruit le corps des Green Lanternes et la batterie centrale qui va avec sous le nom de Parallax. Ouais, rien que ça. Le personnage finit tout de même par se sacrifier afin de sauver le DC-verse en rallumant le soleil qui avait quelques tout petits problèmes de rien du tout. Il agit ensuite sous le nom de Spectre, l'esprit de la rédemption, puis le scénariste Geoff Jones débarque, remet Jordan sur le devant de la scène avec son Green Lantern Rebirth et fait de l'univers des Green Lanternes l'un des plus appréciés grâce notamment à son sinistre corporeux. Et c'est énorme. Troisième Green Lantern, Guy Gardner qui est apparu dans les années 60. Il est décrit comme étant le second choix d'Abin Sur pour défendre la Terre, mais vu qu'Al Jordan était plus proche de l'anneau à ce moment-là, c'est Al Jordan qui a été choisi. Il est du coup le remplaçant d'Al Jordan, celui qui lui sert de renfort, et a donc le numéro 2814.2. Au niveau des différentes histoires le concernant, Guy Gardner a eu ses petites heures de gloire, on peut penser au fait qu'il est géré toute la défense de la planète QGOA, des Green Lanternes lors de Blackest Night par exemple, mais bon, par rapport à tout ce qui arriva à Al Jordan, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Malgré tout, le personnage est souvent le plus apprécié des Green Lanternes défendant la Terre, c'est le cas de Julien et moi d'ailleurs, tout simplement parce que c'est lui qui, selon beaucoup, a le plus de caractère. C'est un personnage qui ne mâche pas ses mots, qui a du mal avec les ordres, qui insulte et s'insurge assez facilement, qui a un petit côté grande gueule, et du coup, c'est vrai que le personnage est assez divertissant quand même. Green Lantern suivant, John Stewart, que beaucoup connaissent parce qu'il représentait le corps des Green Lanternes dans l'excellente série animée des années 90, Justice League. Il est apparu pour la première fois au début des années 70. Alors lui, il a été choisi par les gardiens pour remplacer Guy Gardner lorsqu'il était dans le coma. Il porte donc le numéro 2814.3. Bon, souvent, c'est un personnage que l'on trouve assez plat, mais d'un côté, c'est vrai que c'est pas super facile de passer derrière Gardner non plus. Le personnage agit aux côtés de Guy Gardner, justement, dans l'excellente série Green Lantern Corp, dans lequel Guy Gardner fait ou croit faire des miracles, et dans laquelle, à l'inverse, John Stewart a beaucoup, beaucoup de problèmes. Cinquième et avant-dernier Green Lantern, Kyle Rayner, aussi appelé Green Lantern numéro 2814.4, aussi appelé Ion, aussi appelé le porte-flamme. Le personnage est assez apprécié parce qu'il doute énormément qu'il n'arrive pas tant que ça à surpasser ses peurs, ce qui est quand même supposé être le propre des Green Lanternes. Le personnage meurt dans Green Lantern numéro 42 en 2010 lors de l'arc des Black Lanternes mais revient assez vite. Il est actuellement au cœur de la série Green Lantern New Guardian. Et enfin, nous y voilà, sixième et dernier Green Lantern en date, bien sûr, Simon Baz qui a été créé en 2012. Le personnage est assez récent mais il y a déjà pas mal de choses à en dire. C'est un musulman américano-libanais qui rejoint le corps des Green Lanternes lorsqu'Al Jordan et Sinestro envoient leur anneau commun chercher un remplaçant pour que l'on vienne les aider. Ce qui est cool avec le personnage, si ce n'est le fait bien sûr que les super-héros du monde arabe se comptent sur les doigts de la main, et qu'en plus ça fait toujours plaisir, c'est qu'ils ont joué avec son statut justement. Dans la série principale Green Lantern, il est pris dans une histoire de bombe et d'attentat. Je veux dire, très rapidement, le personnage est placé dans la peau d'un terroriste et il est coursé par tout le monde, alors que peu de temps après, on apprend que l'investigateur de la bombe est en fait un Américain très facho et raciste sur les bords. Petite inversion des codes, un sujet quand même très très délicat dans le contexte actuel. Non, moi j'ai trouvé que le scénariste s'en est plutôt bien sorti. Par contre, on notera que le personnage a eu un accueil mitigé, et même si on peut comprendre certains arguments, d'autres sont vraiment ridicules. Et voilà, le tout sûr est terminé, et l'émission touche à sa fin. On revient très vite pour la prochaine, mais d'ici là, vous pouvez faire d'autres choses que nous attendre, hein, y a pas de problème. Vous pouvez lire des comics, ou tiens, vous pouvez rejoindre notre page Facebook. On tapera la discute, et Julien vous fera des bisous. En attendant, très bonne journée à tous, et à bientôt. Salut !